Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder un petit peu les messages. Je vais regarder comment vous allez. Pas besoin de me répondre. On va tirer la carte pour voir un peu votre humeur ou comment vous vous sentez aujourd'hui ou demain. Ça dépend quand vous tombez sur la vidéo. Alors, c'est pas dramatique. Je dirais que c'est pas dramatique. Ça peut être pire, votre humeur et comment vous vous sentez. Après, peut-être, je pense, un petit sentiment de frustration léger au niveau des choses qui vous bloquent, au niveau des choses que vous avez envie de faire, que vous avez peut-être envie qu'ils se développent. Mais ça va. En fait, faut pas lâcher. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont pas aussi vite que peut-être que vous l'aimeriez. Et du coup, ouais. Pour moi, ça va. C'est pas horrible. Mais. Si ça dure encore comme ça au niveau de la lenteur, au niveau de poisse ou de blocage, là c'est autre chose. Mais en tout cas, ne vous laissez pas abattre en fait. Vous voyez? Si vous voulez quelque chose, essayez de l'avoir, qui tente rien à rien. Après, il ne faut pas non plus tenter quelque chose qui est impossible aussi. Hein. Faut également que vous réfléchissiez. Donc voilà, moi je dirais ça va, c'est pas la catastrophe non plus. Moi souvent, quand on te demande si ça va, ben souvent on va dire oui en fait, tu vois. C'est l'humain, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et ben quand ça va pas, ben en fait on fait avec. Enfin moi je me dis ça, quand il y a des jours ça va pas dans ma vie, ben je me dis ça va pas, ben écoute, je fais avec, demain ça ira mieux, tu vois. Enfin bref. Alors, on va regarder un peu le message qu'on a aujourd'hui. J'espère du changement. Un peu de gaieté ne ferait pas de mal à tout le monde. Alors, on va voir hein, ce qui sort. Écoutez, on ne se pose pas de questions. On a la carte du boomerang. Le boomerang, c'est le retour. Quelque chose qui a déjà fait dans votre vie, hein, peu importe c'est quoi. Mais également, le karma, le retour. Qui fait sur le karma là, hein. Le karma, le karma, le retour du bâton. Alors là, on peut penser que il y a des gens que vous connaissez au niveau de connaissances, ça peut être amical ou plus, mais c'est des gens que vous connaissez qui, bah, en même temps, s'ils reviennent, vous les connaissez. Hein. Ouais, il y a des gens que vous connaissez de l'époque. Ou peut-être qu'ils vont un peu repointer le bout de leur petit nez. C'est ça qu'on me dit. Ils ont quelque chose à vous dire. Ils vont vous dire quelque chose, tu vois. Ils vont vous annoncer quelque chose. Des anciennes connaissances. Des gens que vous connaissez. Voilà, bref. Vous avez compris. On a la carte ici de la sagesse, de la maturité. Tu vois. Alors, c'est peut-être des gens ici qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont appris de leur erreur, je dirais. Mais je pense ils ont eu le karma qui leur est jeté sur la tête, en fait. Un coup de foudre dans leur cerveau, tu vois. Une forme d'illumination. Ah, j'ai fait ça, je récolte ce que j'ai semé. En bon ou en moins bon. J'ai vraiment ça. Donc, bon. Apparemment, vous allez le savoir. Pour moi, vous allez le savoir. Vous allez comprendre que ces personnes ont eu un boomerang, tu vois. Qu'ils ont fait du mal ou du bien, tu vois, peu importe. Vous allez le savoir. Là, c'est obligé. C'est peut-être qu'ils vont vous leur dire, ils vont vous le dire. Ou alors, vous allez comprendre parce que vous n'êtes pas bête, en fait. Mais en tout cas, ils ont quelque chose à vous apporter, à vous donner, à vous dire, des gens. Donc voilà, pour l'instant, c'est ça. Alors, on va voir si on n'a pas un autre message des oracles. Donc on mélange bien, hein. Celle-là elle veut venir. On a la porte, une porte qui peut s'ouvrir, une opportunité, tu vois. Ouais, un avancement. Bon, je le dis toujours, mais vous avez le libre arbitre, hein. Vous pouvez toujours laisser la porte fermée, mais vous avez l'opportunité, sachez, de l'ouvrir. Pour savoir davantage sur certaines choses, on a le triomphe. On a un succès, ici on nous dit un succès. On a derrière le manque, un manque lié à une lenteur en fait, quelque chose qui s'est passé de manière lente
Et du coup, ça a créé un manque. La lenteur, les choses un peu molles. Alors, il y a un succès pour quelqu'un au niveau de cet événement, au niveau de cette porte qui s'ouvre. Il y a un succès pour un cadeau. Bon, on a un certain savoir. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je m'entends. On a quand même une certaine maturité au niveau de ses amitiés, au niveau de ses connaissances, des gens que vous connaissez qui reviennent. On a la carte de la triangulaire. La triangulaire, c'est une énergie 3. Donc, vous, cette personne qui revient et une autre personne ou une autre situation. Mais souvent, c'est l'image où il y a eu en fait un blocage, une difficulté pour l'épanouissement entre vous et ces gens. En fait, clairement. On a encore une carte d'amitié. Donc, les amitiés sont reliées de près ou de loin dans votre vie, que ce soit sentimentale, professionnelle, financière. Ça ressort. On a également des nouvelles pour moi ou une information qui va ressortir. C'est franchement, c'est lié au destin, c'est lié au karma, lié à cette troisième énergie qui vous bloquait au niveau de votre épanouissement, au niveau de la durabilité, de la stabilité. Il y a une information qui va surgir, qui va arriver. C'est ça qu'on nous dit pour l'instant. On a la cigogne. La cigogne, c'est des choses en cours. C'est des projets. C'est un certain avancement. On ne dit pas non plus, quoi. Bon, je le dis souvent, qu'on est arrivé à l'aboutissement final. Mais c'est quand même en cours où ça pourrait le devenir. On a quand même le triomphe. Mais c'est grâce vraiment à un cadeau ou quelque chose qu'on nous donne, qu'on nous apporte, qu'on nous dit, qu'on nous fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la triangulaire, c'est pas forcément une tromperie, ça peut, hein, ça dépend de votre situation, mais moi je l'interprète comme ça. C'est deux personnes et quelque chose au milieu de vous deux qui a quand même, on va le dire, on va pas changer la signification, qui fait vraiment naufrage, qui crée des problèmes en fait dans l'évolution, voilà. Donc voilà, bon, on a de nouvelles informations vis-à-vis de ça. Mais c'est vraiment le retour de karma. Peut-être également, il y a des gens que vous connaissez qui vous ont tourné le dos à un moment donné. Et qui vont revenir avec leur beau petit sourire, leurs dents frites éclatantes de blancheur. Te dire, ah tu sais, si ça, il s'est passé ça. Mais tu sais, je comprendrai si tu me pardonnes pas. Mais je dois te dire ça, je dois te donner ça pour que tu saches quelque chose, c'est très important. Je pense m'être trompée sur toi, sur ce qui s'est passé. Je pense voir clair maintenant. Donc je pense que je te dois quand même un minimum de respect. Si je ne te le dis pas, ben franchement, ça me tourne dans la tête. Ça me tourne dans la tête, donc je suis obligée de venir. Après, tu en fais vraiment ce que tu veux, mais... c'est important pour moi, je pense que tu dois le savoir, après tu en fais ce que tu veux. Il y a vraiment un truc comme ça dans ce message aujourd'hui. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, peut-être pas, peut-être plus tard, parce que sachez que normalement ces vidéos, parce que j'ai l'impression, depuis le temps que je fais des vidéos, j'ai l'impression que les gens ils ont envie que on leur fasse des vidéos, mais genre qu'on leur raconte leur vie, soit leur passé, soit leur présent. Et tu vois, quand, bon, pas tout le monde, mais quand tu regardes, ben, c'est ça la base, non, la cartomancie. Mais quand tu essaies de faire pour le futur, ben, il y a des gens, ben, tu vois, voilà. Donc, bon, je trouve que... Après, c'est vrai que j'allais dire ça sert à rien, mais en fait, ça sert pas à rien, même si tu veux regarder le présent, voilà, ou le passé, ça peut aider à comprendre certaines choses que tu ne vois pas, mais que tu sais aussi. Donc bref, mais c'était juste un truc que j'ai observé, que j'ai réalisé, après peut-être que je me trompe, hein. Bah, après c'est pas pour tout le monde aussi, c'est pas pour tous les abonnés, c'est pas pour tous les gens qui regardent les vidéos bien sûr, mais pour certaines personnes, beaucoup quand même, je trouve que c'est ça quand même. Après je comprends le fait d'être sceptique parce que bon on verra. Faut pas, je préfère ça, je préfère être sceptique face à la cartomancie, enfin vis-à-vis de vous, je préfère. Je préfère parce qu'au moins vous n'êtes pas dans une forme d'addiction, vous vivez votre vie, vous, tu vois, c'est plus un plaisir et je préfère, je vois, vous me dites c'est un divertissement et je préfère que vous le preniez comme ça, même si quand même il y a des choses qui vont peut-être se réaliser, parce que moi je trouve vraiment des fois c'est vraiment très très étonnant ce qui se passe dans les jeux, mais je préfère que les gens soient sceptiques, au moins ils, tu vois, ils, comment on dit, ils se, ils s'induisent pas en erreur.
et ils vivent leur vie. Et si ça doit arriver, ça arrive. Tant mieux, tant pis. Mais voilà, je préfère que les gens soient sceptiques. Enfin, après moi, c'est que mon avis, hein, moi je sais ce que je préférerais ou ce que je préfère. Enfin bref, on s'en fout de mon avis, je le sais. Alors, bon. On va continuer sur cette lancée. On va prendre peut-être une carte de ce jeu-là pour voir un peu plus ce qu'on a à vous dire. Ok. Donc là, il est concerné un conflit. Alors là, il y a pu se passer à un moment donné ou un autre un petit désaccord avec quelqu'un. Bah, ça arrive souvent dans la vie. Mais c'est pas dramatique. C'est juste parce que quelqu'un, je pense, a besoin d'évasion, a besoin de se retrouver, a besoin de retrouver la femme ou l'homme qu'il était à un moment donné. Tu vois. A besoin de faire un peu un tour tout seul, tu vois. Il y a quelqu'un qui a besoin de se retrouver, peut-être trop collé ou. Ouais, des fois, bah, c'est vrai que c'est bien des fois d'être seul, de s'éloigner de certaines choses, après peut-être pas forcément trop longtemps, mais voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas trop ça, qui est contre cet éloignement ou ce besoin d'évasion, ce besoin de partir quelque temps. Après, je comprends les deux. Je comprends les deux parce que je me dis que l'autre, ce que je ressens vis-à-vis de la personne qui n'est pas d'accord, que cette personne s'éloigne, peut-être qu'elle se met pas assez à sa place à l'autre, mais je me dis que, en fait, ce que je ressens vis-à-vis de la personne qui ne veut pas que l'autre fasse ça parce elle a un sentiment de perte, elle a un sentiment de faim, de changement, de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. C'est ça qu'on me dit vis-à-vis de cette personne. Je ne sais pas si vous la connaissez ou que vous la connaissez pas encore. J'ai aussi un truc à dire. Souvent, je fais des vidéos, bon, même presque tous les jours. Vous savez, des fois, je fais pas forcément des vidéos sur les ex. Je ne regarde pas. Et des fois, je vois en fait. J'ai remarqué certaines choses en fait. Que genre, même si je parle pas d'ex. Ben, il y a des abonnés qui vont parler de leur ex et qui vont dire non, moi j'en ai marre de mon ex, tu vois, même si ça n'a rien à voir avec leur ex en fait. Je sais pas comment l'expliquer, donc je me dis qu'en fait, chacun prend les vidéos en fait, ben, c'est normal, comment il les ressent vis-à-vis d'eux, tu vois. Mais sachez qu'en fait, il y en a qui veulent une nouvelle personne mais qui parlent de leur ex alors que je parle d'une nouvelle personne. Ouais, bon, bref, je pense que vous n'avez pas compris. C'est dur de m'exprimer. Donc, peut-être regardez vos commentaires, genre, d'avant. Regardez vos commentaires et regardez les vidéos vraiment. Peut-être que vous allez avoir des réponses sur vos vrais sentiments. Certaines personnes, je dis ça pas ça pour me moquer ou pour vous juger, pas du tout, mais c'est ce que j'ai remarqué en fait. Peut-être je devrais pas dire ça, peut-être que c'est mal placé de ma part, mais en fait, je vous conseille certaines personnes qui, si vous savez, si vous avez déjà écrit sur une vidéo il y a moins d'un mois, regardez vos commentaires et je pense que vous allez beaucoup apprendre sur votre personne et sur ce que vous voulez ou ce que vous voulez plus. C'est juste une anecdote. Pour vous aider, je sais pas pourquoi je ressens besoin de le dire. De toute façon, il y en a, ils disent que je parle trop, que je lis les cartes, mais vous savez, quand je parle, je suis obligée de parler. Si je ressens quelque chose, même des conseils, c'est ce que en fait, c'est que je le vois et que en fait, c'est en plus. Hein. C'est des conseils, je suis obligée. Je sais pas comment vous expliquer, sinon ça serait trop fade. J'ai besoin de, je sais pas si ça me vient et voilà. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais je suis vraiment désolée. Ça fait partie de moi, en fait, quand je tire les cartes. J'ai besoin de dire ce que je ressens en plus des cartes, parce que ça ressent et c'est de l'intuition. Bon, c'était une aparté. Alors. Moi, je ressens de la peur chez une personne, en fait. Je ressens de l'inquiétude.
Ouais, vraiment ce que j'ai dit juste avant, vraiment de l'inquiétude. Il y a quand même de la confiance, ou il y aura de la confiance envers cette personne. On laisse faire, ou on laissera faire cette personne. En même temps, il faut laisser faire les gens ce qu'ils veulent faire, qu'ils veulent partir, rester. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller contre ses envies, ses ambitions, parce que de toute manière, cette personne le fera en cachette et ce n'est pas ce qu'on veut. Mais il y a quand même une forme d'inquiétude. Légère nostalgie, je dirais également. L'autre personne, au contraire, te dit ou va penser, t'inquiète, je gère. Ne t'inquiète pas, j'en ai besoin. C'est pas dramatique. Essaye en fait de rassurer dans le sens, c'est pas anormal. Dans le sens, ne t'inquiète pas, c'est juste que j'ai besoin de faire ça. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose dans sa vie, à un moment ou à un autre. Et il y a l'autre personne en face de lui. Qui est un peu choqué, ça ne lui ressemble pas, ça ne ressemble même pas à cette personne et ça ne ressemble pas à la personne qu'il aime dans son cœur, ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il veut faire. C'est un peu étonnant, déroutant, on se pose des questions, ça, voilà, c'est l'inconnu, c'est la peur de perdre, c'est des conflits parce qu'on n'est pas d'accord, parce que on se dit peut-être que c'est risqué, peut-être que ça peut faire du mal. Mais en fait, pour moi, l'autre personne, celle qui veut faire quelque chose, pas d'anormal, mais d'inhabituel, on va dire ça comme ça, soit dans la société ou dans sa propre vie, dans leur propre vie, cette personne le fera. Parce qu'en fait, elle le fera coûte que coûte, même si ça crée des conflits, des disputes, cette personne se dira, se dit qu'elle va comprendre quand elle sera allée au bout de ce qu'elle veut faire. De toute manière, elle le fera. Parce que ça lui tient à cœur, c'est une ambition, ça lui tient vraiment énormément à cœur. Son âme l'appelle à aller au bout, à le faire, à crier, à manifester, à le dire en fait. Que les gens soient d'accord, pas d'accord, cette personne a besoin de le faire en tant qu'humain. Voilà, en tant qu'humain. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, il y aura du moins. Dans le sens, il y aura une pause, un éloignement, quelqu'un qui comprend pas ses méthodes ou ses choses qu'il fait ou qu'elle fera. Ça rend triste l'autre personne. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, elle ne comprend pas et c'est pour ça qu'elle est triste. Malgré que cette personne, de ce qu'il fait, de ce qu'il va faire, je pense qu'il va quand même la rassurer, mais la rassurer, je pense pas assez sérieusement. Il est trop dans l'humour, dans le second degré. Du coup, la personne qui a peur, qui va pas forcément être heureuse de cette situation, va se dire, mais il a perdu la boule, il est devenu fou. Je ne le reconnais plus, je ne la reconnais plus, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a vraiment un sentiment, de chaos. Alors que non. Alors que non, enfin, pour la personne qui fait ce qu'il va faire. Faut suivre, hein, oui. Je sais. Faut que je développe ça. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Une carte qui a sauté, c'est le serpent. Et c'est en plus c'est quelque chose de rapide. On a des communications plus écrites liées à cette situation. On a quand même quelque chose où on parle de jalousie. Cette personne ici a un combat. Elle va mener un combat contre une forme d'hypocrisie, comme une forme de mensonge rapidement là. Une porte qui s'ouvre. J'ai compris, peut-être que vous n'avez pas compris, mais je vais essayer de vous l'expliquer du coup pour ceux qui n'ont pas compris. Ce que je vois ici, c'est, je ne sais pas si c'est un couple, un pré-couple, peu importe, ce n'est pas la question, mais on va dire que c'est un homme, mais ça peut être une femme, hein, qui a un combat à mener, qui va tout dire à cette femme, vraiment, qui va tout le dire. C'est quelque chose, quand même, il faut avoir du courage.
Faut avoir ouais, des faut en avoir ouais. Il y aura des imprimeries de papier. Je sais pas si on va passer par des pétitions, par des messages, faire tourner quelque chose, une rumeur ou quelque chose de vrai. Mais en fait, cette personne est... C'est vrai qu'on a l'impression qu'il devient fou ou folle, hein. Mais cette personne a besoin de le crier, a besoin de dire certaines choses au niveau de mensonges, au niveau d'hypocrisie, au niveau de choses qu'on peut nous cacher. Voilà, vraiment, c'est ça, j'ai compris. Et très rapidement, ça va se faire vite, 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 vite. Cette personne, elle pense que c'est ça. Mais en fait, moi... la personne qui ne veut pas, qui est contre, elle a peur pour elle en fait, clairement, elle a peur que ça se finisse mal, qu'il y ait des répercussions ou qu'il y aura des répercussions. Je dis pas que cette personne, elle qui est contre, qui ne veut pas, pense qu'elle a tort, c'est pas ça, mais elle pense quand même que ça va trop loin en fait, que ça prend des mesures un peu drastiques. Vous voyez ce que je veux dire? Alors franchement, je crois que la première fois que je vois ça, je sais pas c'est pour qui, pourquoi. Oh, peut-être que ça a une... Peut-être c'est pour vous, peut-être c'est pour un homme, une femme, peut-être c'est un truc banal, peut-être c'est vrai, peut-être c'est un truc au niveau du peuple, je sais pas. Franchement, je peux pas vous dire d'où ça vient ça, mais c'est ce que j'ai. Peut-être c'est juste pour un couple, pour quelque chose, hein. C'est une affaire de sentiments, voilà, c'est... Ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, je sais pas si ça va vous parler, peut-être pas. Mais moi, j'ai ça. J'ai compris le message. Des fois, je le comprends pas. Peut-être que vous avez compris autre chose. C'est possible. Faut vraiment comprendre ce que vous, ça vous parle, en fait. Hein. C'est vous qui avez les réponses en vous. Donc, moi, je pense que même si vous écoutez genre mes vidéos ou autres vidéos, mais soyez pas dans l'addiction. Peu importe ce que la personne va vous dire, mais que vous avez compris dans ses mots avant peut-être qu'elle... Je sais pas si tout le monde fait comme moi qui explique après ce qu'elle dit. Il faut vraiment que c'est vous, ce que vous avez compris, vous. Et c'est ça le vrai message. Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je dis ça encore. Mais je le sens que c'est ça, pour moi. Ok, bon. Bon, on va regarder encore un petit peu. Du coup, je vais faire une suite. Je vais essayer en fait de faire un carré, genre de 4, non de 3. On va voir ce que ça donne. Donc, je m'inspire de Madame Litana de Vous à Moi. Je le dis. Franchement, je l'aime trop. Et c'est vrai que j'avais jamais. Je lui parle parce que, genre, je l'aime bien et tout. Genre, en tant que personne, en tant que femme. Mais j'avais. Je suis abonnée à elle et tout. Mais, genre, j'avais jamais regardé. Parce que c'est rare quand je regarde les guidances. Avant je regardais, maintenant je regarde plus, j'en ai plus besoin. C'est vrai que ça m'avait fait beaucoup de bien. Mais du coup, ben, je sais pas, comme je l'aime bien, j'ai regardé tout à l'heure. Et franchement, je l'ai écoutée et franchement, elle est trop forte. Enfin, elle est forte quoi, faut le dire. Et tu vois, c'est... Bon, je connais un petit peu, je suis pas la meilleure non plus. Mais je sais que, genre, elle dit vrai. Et il y a plus que la cartomancie, il y a vraiment des ressentis. Et... Franchement, elle est trop forte et en plus de ça, elle est trop apaisante. Genre, franchement, je vous conseille de regarder ceux qui ne regardent pas, ceux qui ne la connaissent pas, Litana de Vous à Moi. Genre, je suis sincère. Hein. Elle m'a rien demandé, hein. Jamais elle me demande. Je ne sais pas, genre, personne n'a demandé et voilà, jamais les gens comme ça qui ne demandent pas, justement. Et genre, si tu vas pas bien, franchement, écoutez-la. Même si ça vous parle, ça vous parle pas, peu importe, mais moi, je trouve que ça parle quand même. Hein. Mais elle t'enlève un poids. Ça te fait du bien. Je sais pas comment vous dire, sa voix, sa façon d'expliquer. Bref. Du coup, voilà. Je m'inspire de ces tirages que je connais pas et que j'ai. Voilà. Donc voilà, méthode Litana. Alors, on regarde. Au niveau de la situation, de ce qu'on a pu voir, un carré de 3, s'il vous plaît, du coup. On mélange bien le jeu. Je coupe. Je sais pas comment on fait, donc elle fait ça. J'espère qu'elle m'en voudra pas, que je prends sa méthode, je pense pas. Mais je le dis, je suis honnête. Bon, il n'y a pas de mal, hein. Quelqu'un a bien inventé le tirage en croix et tout. Bon. Alors, on regarde.
Alors, au niveau de cette personne dans le domaine sentimental, il y aura une visite, le fait de se voir. Vous allez également voir des choses entre vous deux. Peut-être que c'est un peu flou, hein, ambigu. Par contre, je vous dis pas que ça va arriver tout de suite. On ne dit pas forcément pour l'instant qu'il y a du retard, mais c'est vrai que vous ou cette personne, il y a une notion d'impatience. Il y a une notion, c'est trop long, j'ai trop envie que ça se passe, j'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de le ou de la voir. Genre, il y a vraiment un truc comme ça. Mais pour moi, il y a un truc qui doit passer avant, c'est sa carrière professionnelle ou votre carrière professionnelle. Parce que je vois en fait des déplacements professionnels qui doivent être important, tu vois, c'est pas que cette personne ou vous ne voulez pas le voir, mais en fait, on te dit en gros chaque chose en son temps. Donc, du coup, c'est vrai, il peut y avoir une notion d'impatience, une notion, oui, j'ai trop envie de voir, j'ai trop envie de savoir, j'ai trop envie de passer à l'action avec lui. Mais il y a des choses qui ont traîné dans le domaine professionnel pour quelqu'un et on ne peut plus retarder ça. Ça a été quelqu'un, pour cet homme, pour cette femme, ben, c'était également une impatience dans le domaine financier professionnel. Donc voilà. Donc il ne faut pas en vouloir à cet homme ou à cette femme. Ouais, pour moi, dans le domaine professionnel, cette personne, elle a eu des trahisons, elle a eu. Elle n'a pas été facilitée à un moment donné. Pour moi, on lui a mis des bâtons dans les roues, on l'a ralenti. Donc voilà. Pour moi, ici, dans le domaine professionnel, cette personne se remet énormément en question, en fait. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi ça marche pas? Donc on voit quelqu'un qui essaye d'établir un genre de plan où le fait de... pour que ça s'arrange, en fait, concrètement. On voit vraiment le retour à l'emploi ou le retour de l'évolution professionnelle de cette personne après une période un peu difficile, je dirais. Ouais. Il y a également une forme de honte. Alors, vis-à-vis de vous, cette personne ici, peut-être s'était légèrement éloignée. Pour moi, je vois ça. Cette personne quand même culpabilise, que ça soit long ou pas long. Mais je pense que cette personne, elle avait certaines responsabilités dans sa vie, vous voyez, du coup, voilà. Mais ça n'empêche pas que cette personne se sent pas forcément bien de vous avoir mis un peu à l'écart, on va dire, dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? On voit que cette personne va vous parler. Va vous parler, voilà, va vous écrire, va vous parler, va vous expliquer certaines choses, également que cette personne regrette des choses vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son comportement, c'est ça que je vois. Je pense que cette personne vous a mis un peu à l'écart, vous a délaissé, c'est ce que j'entends. Moi ici, dans ces communications, on me dit également qu'elle va vous parler de choses que vous ne savez pas, que vous connaissez pas, qui peuvent vous paraître un peu, ouais, étranger. Étranger. On voit que cette personne a envie de changer les choses avec vous, notamment sur la communication qui a pu s'affaisser, se détériorer. Et cette personne a pris conscience qu'il faut qu'elle vous dise même des choses que vous ne comprendrez pas, mais qu'en fait, peut-être cette personne prendra le temps de vous expliquer. Parce que cette personne, je ne sais pas si c'était une forme de flemme. De vous parler, de vous expliquer, mais voilà. Mais donc voilà, j'ai une évolution vis-à-vis de la communication parce que pour moi, cette personne s'est enfermée, a été dans une forme de blocage, d'enfermement communicatif. Mais on voit que cette personne est en train de s'ouvrir à la communication, justement. Pour moi, c'est vraiment lié au professionnel, au financier, voire même peut-être légèrement lié à la famille. Mais pour moi, cette personne, malgré quand même qu'elle s'en veut, je dirais, elle se dit quand même qu'elle a pensé que c'était le plus juste de faire ça de cette manière. Même si elle s'en veut, peut-être qu'elle n'a pas pu faire autrement à ce moment-là pour moi. Mais cette personne pense quand même avoir été juste. Cette personne pour moi ne veut pas votre malheur. Elle veut être bien avec vous. Elle veut que vous soyez heureux.
heureuse, mais cette personne a besoin de stabilité dans tout ce que je viens de dire. Et elle pense en fait que c'est ça qui arrangera les choses. Alors là, on voit un beau cadeau, une belle surprise. Waouh! Entre vous, on voit un changement avec un beau cadeau qui va arriver vers vous. Elle va peut-être vous offrir quelque chose. On voit de la joie, elle va vous faire rire, elle va vous faire sourire. On voit du changement entre vous qui est vraiment trop clair. Le fait de vous sentir unis, de vous sentir heureux. Waouh! On parle ici d'un changement parce que là, on voit une évolution dans votre couple, dans votre relation, dans votre future relation. Quelque chose où on a la gaieté, le bonheur, voire vraiment des projets à deux officiels en couple, en fait, hein, vraiment. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose qu'il fallait qu'elle change dans sa vie. Un changement financier. Il y a une roue qui a pu tourner dans sa vie financière professionnelle. Cette personne attendait ce changement, d'attendre de signer un nouveau contrat financier professionnel, une évolution. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu un changement sur l'argent. Alors là, on voit qu'il y a des choses ici qui ont été mises en examen, en réflexion, une roue qui a tourné, financière ou autre. Mais en fait, cette personne ne voulait pas, je pense, dépendre de vous. Des rêves. Pour moi, clairement, cette personne s'est comportée de cette manière parce qu'en fait, elle voulait pas vous mettre dans une forme d'illusion. Ouais, vraiment. Elle ne voulait pas vous mettre dans une forme de d'illusion. Mais pour moi, elle a vraiment réfléchi, hein. Elle a vraiment réfléchi. Il y a également un truc au niveau de sa famille, de son entourage proche, quelque chose qui est inévitable. Vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de vous. Ouais. On voit qu'en fait, au niveau de sa famille et vis-à-vis de vous qui êtes reliés, il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Et sa famille également ne sait pas, ne voit pas. Qu'il y a des choses en cours qui a déjà commencé entre vous deux. Tu vois, on ne dit pas que vous êtes arrivé à une stabilité magnifique. De toute façon, dans la vie, il y a toujours des hauts et des bas. Mais il y a des choses que vous voulez faire ensemble. Peut-être certains projets, certains désirs qui ne sont pas arrivés à terme. À cause d'une instabilité, à cause de choses bancales, à cause des retards, à cause de la lenteur qu'il a fait, qu'il a mis, mais qui pensait en fait que c'était mieux, que c'était. Quand il le faisait, en fait, il pensait vraiment que c'était juste, que c'était le mieux à faire. C'est vrai qu'après, on avait une forme de culpabilité, mais on avait encore quand même que cette personne pensait qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Mais pour moi, ça a dégradé vos projets, votre lien, votre relation. Et ça a créé de l'instabilité. On voit vis-à-vis de ça qu'il y aura une annonce. Peut-être que vous avez attendu, mais que vous n'attendez plus tellement le temps fut long. Au niveau de cette instabilité. Alors, c'est une prise de décision aussi, une annonce, que quelque chose qu'il doit faire, qu'il doit vous dire, qu'il doit agir, qu'il doit être dans la décision. Peut-être cette personne ne l'a pas fait, ne l'a pas été. Et ça, vraiment, vous ne l'attendiez plus, ça, pour moi, pour ceux qui sont concernés. En fait, c'est lié à quelque chose qu'il doit supprimer de sa vie, qu'il doit arrêter, qu'il doit s'éloigner. On voit que vous allez en reparler. Il va l'annoncer, il va vous le dire, qu'il va prendre la décision d'arrêter. Quelque chose quand même qui paraît nouveau. Qui paraît, ouais, nouveau, qui parle de début. Mais c'est vrai que ça fait que revenir, repartir. Et cette personne-là vous dit qu'elle va arrêter, elle va vous l'annoncer, elle va vous le mettre sur un plateau d'argent. Je prends la décision, malgré des reprises, des retours. Cette personne vous dit clairement qu'elle va prendre la décision d'arrêter parce qu'elle pense que c'est le mieux pour elle, pour vous, pour votre tranquillité, pour votre bien-être. On voit vraiment qu'il y aura une extrême communication très sérieuse sur ce point-là, sur cette situation qui veut arrêter, qui veut annulé, qui veut détruire de sa vie. Parce qu'il voit, il constate que c'est un échec, que ça ne marche pas. Et qu'il y a également derrière tout ça une forme de manipulation, une forme, quelque chose de vicieux, quelque chose de pas clair, quelque chose de pas bon, en fait, hein.
Et on voit qu'en fait, même cette personne va vous dire qu'il a constaté, mais il y a vraiment une communication très sérieuse, hein, que c'est que de l'hypocrisie, de la jalousie, que ça ne marche pas, qu'il y a une forme de direction derrière tout ça. Donc c'est déjà un bon point. J'ai envie de dire, on voit quelque chose qui est lié à la santé. Ça affecte la santé, le bien-être de votre amour. Parce que pour moi ici, je ne veux pas lancer des fleurs. On voit votre histoire d'amour vraiment. Le miroir magique, regardez sur Internet, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est la plus belle carte du jeu, ils disent. Pour moi, ça représente, pour moi personnellement, peut-être que quelqu'un d'autre n'aura pas cette interprétation, mais moi, je vois derrière ça un lien très beau, très vrai. Très magnifique. Juste cette carte, hein. Très magnifique, mais en plus avec la carte de l'amour, c'est quelque chose de. C'est une belle histoire. Une très belle histoire. Mais bon, c'est la situation de juste avant que je viens de dire, ça l'a affecté, ça l'a aggravé, ça a créé du malheur. Et c'est lié à des gens autour de lui ou de vous. Clairement, c'est des humains. Logique. Clairement, c'est des gens. C'est des gens, des connaissances, des gens. Des gens qui ont voulu détruire la construction de votre histoire, hein, qui ont voulu peut-être rentrer chez vous ou chez lui en mode on se rapproche. Plus que ça, sexualité. Moi, je voyais, en fait, là, il y a un complot, une forme de ruse. Une personne ici qui a. Maman. Qui voulait cet homme ou qui voulait vous, en fait. Sur le plan plus qu'amical. Hein. Parce que la carte de la sexualité, il ou elle la voulait dans son lit. Alors, je sais pas si c'était pour du sérieux ou pas, mais bon, quand tu vois ça, tu te dis pas que c'est pour quelque chose de durable. Parce que l'amour, il était avec vous. Parce que là, on voit la sexualité. On se protège. Cette personne veut se protéger. Soit elle prend une contraception, soit elle a des préservatifs. Franchement, c'est pas quelqu'un de bien. Je sais pas c'est qui. Je sais pas si vous le connaissez, cette personne, de près ou de loin, que vous allez entendre parler. Mais c'est très bas. Moi, j'aime pas ça. Mais on voit que cette personne ne l'avait pas compris dès le départ. Ne l'avait pas compris dès le départ. Je pense que cette personne va vous le parler de tout ça. Cette personne va vous le parler, va vous dire tout ça. Vous allez être choqué. Ne vous vengez pas. Votre victoire, c'est votre évolution. Votre succès. Ne vous vengez pas. Cette personne, il y a le karma. De toute façon, on a le boomerang. Les gens. En fait, cette personne a envié votre histoire. De ce qui de peut-être du peu de ce qu'il a vu ou entendu. C'est une personne à problème, c'est une personne qui a voulu créer des problèmes dans votre relation. C'est lié soit à la médiumnité, au ressenti. Il y a bon, c'est également le fait de voir la vérité, problème. Heureusement que ça se passe de cette manière ici dans cette énergie. Parce que là, on voit que l'homme ou la femme en question ne tombe pas dans le panneau. Peut-être au début, elle a tombé dans le panneau au niveau de certaines choses, mais pour moi, il n'y a rien eu. Ici, il n'y a rien eu. Je le vois clair ici. C'est trop bien cette méthode de tirage. On voit la vérité, que cette personne a voulu mettre le bazar. On voit des compromis. On a une victoire. Hein. On a la chance. On voit ici qu'il y a eu des problèmes de communication entre vous. Et d'ailleurs, sur tout ce que vous n'avez pas pu parler, des choses un peu compliquées, vous allez en parler. Voilà. Faut jamais mentir. Faut jamais faire quelque chose en doute parce que tout se sait. Alors, on a l'homme de cœur. Hein. On a une tierce personne. Hein. La femme ou l'homme, peu importe, qui a fait ça, là. Elle n'habite pas à côté. Soit elle n'habite pas à côté. Soit elle n'habite pas à côté, soit maintenant ils se sont éloignés. C'est possible que là, il y ait quelqu'un qui a un enfant ou quelqu'un qui est plus jeune. Ouais. Et on voit également que l'homme ou la femme se rend compte parce qu'en fait, au niveau de l'immaturité.
Franchement, c'est chaud. Ah, j'ai kiffé cette méthode de tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que je recommencerai. J'ai bien aimé. Comme ça, ça change, quoi. On va tirer des petits mots, peut-être. Alors, on a les sentiments. Assumer ses sentiments. La joie. Il y a quelqu'un qui va dire qu'il t'aime, qu'il vous aime. Il va l'assumer et c'est ça qui va nous mettre en joie. Tout simplement. Bon, je fais des bisous. Prenez soin de vous.